Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de commencer le sujet du jour, j'aimerais remercier plein de gens qui m'ont envoyé des lettres. Ça j'aime bien. Pas du tout, j'arrive pas à décrypter son prénom. Mais le monsieur de Bicycle Mod qui m'a envoyé des stickers, c'est bien sympa à lui. Il bricole pas mal, mais surtout les vélos, bah, continue. C'est bien de bricoler les vélos. Il y a aussi l'ami Patrice qui m'a envoyé aussi plein de stickers ultra rigolos. J'aime bien celui-là, avec un nain qui fait du skateboard. Merci à lui pour ses stickers. Et aussi, bien sûr, merci à Salomé et à Kevin, les aminches des pingouins, qui m'ont envoyé aussi des stickers. Bien sûr, à tous, je vais leur envoyer des super autocollants que l'ami Morgane nous a imprimés. Toi aussi, tu veux des autocollants, tu sais comment faire. Tu m'envoies une petite enveloppe timbrée à l'adresse mon adresse. Et comme ça, pif paf pouf, je te renvoie des stickers. Deuxième sujet, comme vous avez peut-être vu, j'ai mis un interstice de 5 secondes qui précise, en fait j'ai piqué cette idée sur Nowtech, la chaîne de l'ami Jérôme, qui précise de façon claire, est-ce que c'est une vidéo sponsorisée, est-ce qu'il y a des placements produits, est-ce qu'il y a des liens d'affiliation. Ça permettra de vous donner un tout petit peu plus d'informations sur exactement qu'est-ce que je balance comme contenu, d'où est-ce que ça vient, etc., etc. Maintenant que tout ça est passé, on va pouvoir passer au sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est, il y a de ça quelques jours, on est allé avec l'ami Cyril, qui est soudeur psychopathe de formation. On est allé voir l'ami Dimitri. Oui, j'ai beaucoup d'amis. Tout le monde aime mes amis. Je vous aime tous. L'ami Dimitri, aka Monsieur Bidouille, à Château-Thierry pour aller visiter le nouveau Fab Lab, puisque l'ami Monsieur Bidouille est Fab Manager au Fab Lab de Château-Thierry qui vient juste de s'ouvrir. Donc on est allé faire quelques kilomètres avec la tuture OGPL de l'ami Cyril pour aller découvrir le Fab Lab. On appuie, on lâche. Wow. Allez, et puis on marquera la petite bille de butane propane qui était en train de... On est avec Monsieur Bidouille et on est où? Et on est au Fab Lab de Château-Thierry. Tu peux nous faire un petit tour? Ouais, bah, y a pas de souci. Alors, bienvenue au Fab Lab de Château-Thierry. Donc, c'est une association et on vient tout juste d'aménager dans le lieu. Et moi, je suis le deuxième Fab Manager, donc je viens juste d'arriver. Voilà, donc c'est... On vient de faire tout ça. Donc c'est en cours d'aménagement. C'est en cours d'aménagement. Bon, c'est déjà bien avancé. Là, il manque un peu des trucs. Il manque un peu des... Voilà, quelques pièces qui sont pas encore finies. Mais on va dire le plus gros essai, quoi. Cool. Donc, voilà. Bon, déjà, on a le coin. Alors là-bas, ça sera le coin cosy, un peu posé. Canapé. Canapé et tout ce que tu veux. Voilà. Blablate. Voilà. Donc ça, bon, c'est un peu le truc qui passe en dernier. Parce que d'abord, on veut faire tourner les machines. Là, on a l'espace de conception. Comme ça, c'est des ordures. Ok. Voilà. Cette petite pièce servira pour le scan 3D. Bon, pour l'instant, c'est un range bazar. Ok. Ici, on a dans ce magnifique ancien frigo des Formlabs. Ah la vache. Donc, imprimante à stéréolithographie, il y en a deux. Donc là, après, on a des petites imprimantes 3D. Voilà, donc on va en avoir des nouvelles, là, et je suis chargé d'en trouver des nouvelles. Donc ça, ici, ça va être une salle de formation où je vais donner des cours sur la 3D, la 2D. Okay. Voilà, donc bon, on a acheté des ordi, on a monté tout ça, c'était cool, on a fait une grosse session de montage d'ordi. Là, assez là, conséquent. Là, ça commence à me parler. Voilà, donc avec 13 fils différents. Donc on peut faire vraiment des trucs sympas. Et c'est avec un format propriétaire ou... Alors là, je t'avoue que celle-là aussi, je n'ai pas encore appris. Pour l'instant, j'ai trop mis les mains dessus, meubles et visser des placards. Et là, je suis en train de refaire le site. C'est joli. Je vois que tu as aussi de la découpe vinyle. Ouais, alors on en a une qu'on vient de nous donner. C'est une chinoise, no name. Il faut qu'on se penche sur la question. Et puis celle-là, c'est le GraphTech. Ouais. Ici, le point électronique qui n'est pas encore... Enfin, on a juste posé les meubles. Et... Voilà. Je me disais bien. On se fait un petit point machine qui va bien. Avec une StatCraft, donc un petit routeur pour faire des circuits, des petits machins sympas.
qui est quand même une bonne taille, déjà. Ouais. Par là-bas, c'est des trucs traditionnels, genre... Ouais, Personal Cologne, en plus, il y a Tri ici, il y a Tri-Phasé, ça, c'est vraiment bien. Et t'as une petite rectifieuse qu'on nous a donnée. La colonne. Le petit truc avec les outils standards. Ouais, voilà. Le stockage des matériaux. Voilà. C'est quoi, principalement MDF contreplaqué. Ouais, des trucs comme ça. Le laser. La petite découpe laser. Avec le truc pour l'aspiration. Le filtre. Puis, là ça commence à être intéressant. Un peu fat. Oh. Et c'est du SA30. Je sais pas encore faire. Il y en a aussi un autre un peu plus petit. Ça, c'est un tour numérique. Ah. Donc, c'est des SIG. C'est la même marque. C'est OTMT en fait. C'est Otello qui fait. Et des petits trucs pour ranger des bidules. Alors, ça, c'est vraiment bien. Ouais. C'est vraiment bien d'avoir des placards qui ferment. Ça fait beaucoup moins de bordélique. Que dire, un moment bien sympathique où on a pu visiter le Fab Lab alors qu'il était semi-ouvert, semi-fermé. Je pense qu'il est ouvert officiellement au public depuis quelques jours. Je ne peux que vous inciter, si vous êtes dans le coin, ou même si vous n'êtes pas dans le coin, à aller faire un tour, dire bonjour, aller discuter, peut-être faire un petit projet. Je sais qu'ils ont plein de trucs qu'ils doivent faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. N'hésitez pas à y aller et à regarder qu'est-ce que vous pouvez potentiellement faire. Moi, je sais qu'il y a plusieurs éléments que j'ai trouvé vachement intéressants. La première, bien sûr, la brodeuse électromécanique de la mort qui tue à commande numérique. Puis, ils ont du matériel qui est plutôt pas mal. Ils ont une fraiseuse à commande numérique, ils ont un tour à commande numérique. Et puis, tout l'intérêt, justement, c'est d'avoir une communauté et des femmes managers sympas, comme l'est Dimitri et sa collègue, pour vous guider dans vos futurs projets. Je ne peux aussi que vous conseiller, c'est même pas je vous conseille, je vous ordonne immédiatement d'aller sur la chaîne de Monsieur Bidouille. Il a plein de contenus vachement intéressants. La dernière vidéo, c'est sur la Terre, pas la Terre ronde, mais la Terre du système électrique. C'est vachement bien fait. C'est quelqu'un de brillant que je trouve qui est vachement sympa. On a passé un super moment avec lui. On a mangé un morceau, on a discuté, on a blablaté sur plein de sujets. Bref, si c'était pas aussi loin, j'irais régulièrement. J'irais peut-être une fois de temps en temps pour dire bonjour ou pour un projet spécifique. En tout cas, si vous êtes dans le coin, je peux que vous inciter à y aller. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme l'ami Quentin Jouris, aller cliquer sur le lien YouTube qui est dans la description, aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépette et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode visite du Fab Lab de Château-Thierry et rencontre avec l'ami Monsieur Bidouille. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.